Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. Aujourd'hui dans Bonjour Montrouge, on va tout d'abord commencer avec le label artisan du tourisme. On ira chez Crème, on ira chez Maison Michaud et également chez la chocolaterie L'Éphémère Douceur pour parler avec Stéphanie, Rémi et Xavier de ce label. Ensuite, nous irons voir des artistes, les artistes de l'association Les Yeux Fertiles pour parler des portes ouvertes qui auront lieu le mois de mai dans Montrouge. Voilà, des portes ouvertes des artistes montrougiens. Et nous terminerons avec l'interview de Céline Neveu, la directrice du Centre Communal d'Action Sociale, pour parler du guichet logement qui a été mis en place récemment. Ça fait un programme assez chargé. C'est parti pour Bonjour Montrouge. Alors, je suis avec Rémi Bouillet. Bonjour Rémi, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien? Alors moi, je m'appelle Rémi, j'ai 27 ans, je suis chef pâtissier chez Crème à Montrouge, dans un salon de thé, où on fait tout maison, on travaille la saisonnalité, voilà. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu plus en détail, du coup, Crème? L'idée, ça partait vraiment d'un projet de créer un lieu de vie pour les Montrougiens et surtout de pouvoir manger des bonnes choses, c'était très important. Pour moi, il n'y avait pas que Paris qui avait le droit accès aux bonnes choses. Donc ça, c'était important pour moi, de pouvoir amener ça dans une banlieue. On est vraiment sur la place, à la sortie du métro. Le week-end, c'est très familial. La semaine, il y a beaucoup de bureaux. Donc en fait, c'est vraiment toute une clientèle différente. Donc c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'on peut s'adresser au matin aux gens qui viennent travailler, aux enfants qui vont à l'école, les parents qui emmènent les enfants à l'école. On voit beaucoup de monde, beaucoup de personnes différentes. Et ça, c'est super. On est ensemble notamment pour parler du label artisan du tourisme. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu, me parler un petit peu de ce label? En fait, ce label, il a été créé pour mettre en avant les artisans du 92. Moi, je trouve ça bien parce qu'aujourd'hui, l'artisanat, ça se perd de plus en plus. Et je pense pour moi, c'est vraiment important de remettre l'artisanat au goût du jour, que ce soit les pâtissiers, que ce soit les charcutiers, que ce soit les fleuristes, et toutes sortes de métiers. Il y en a beaucoup qui sont en train de se perdre. Et ça, c'est une chance qu'on a aussi dans le 92 d'avoir ce label-là. Ce qui nous a vraiment fait connaître, c'est l'éclair aux cacahuètes qu'on avait sorti au Salon du Chocolat. Donc on avait fait le Salon du Chocolat la première année et j'avais sorti ce gâteau-là. Et depuis, il y a des gens qui viennent d'un peu partout et surtout aussi le chausson aux pommes, qui est un de nos best-sellers aujourd'hui. Revisiter à votre manière. Revisiter, oui. Après, voilà, c'est juste qu'on fait les choses différemment qu'on a l'habitude de voir. Donc, je peux pas appeler ça revisiter parce que j'ai pas été le premier à le faire. Mais c'est comme ça. En fait, ici, on fait les choses comme moi j'aurais envie de les manger. Donc, c'est pour ça que revisiter, c'est un grand mot. Mais c'est comme ça que moi je le mangerai. Ok, ça marche, bah, top. Merci beaucoup pour cette petite interview, Rémi. De rien, merci à vous. On est là du mercredi au dimanche. Vous pouvez venir quand vous voulez, de 8h à 19h. On va vous accueillir avec le sourire. J'ai une super équipe de vente, donc top quoi. Je suis donc avec Xavier Michaud. Bonjour Xavier, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien? Bonjour, donc Xavier Michaud, comme vous l'avez très bien dit, 36 ans et jeune artisan passionné qui a commencé à 16 ans par la voie de l'apprentissage, le métier de la charcutier traiteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Maison Michaud? Alors, Maison Michaud, c'est une aventure avec Damien, mon frère, qui est juste derrière en train de servir. Et tout simplement, c'est une aventure que nous avons faite à deux avec une ligne de conduite qui est un cochon Île-de-France et également de la charcuterie faite maison et sans additifs. On est ensemble pour parler du label artisan du tourisme. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette aventure également? Alors, artisan du tourisme, tout d'abord, c'est un petit réseau de professionnels, d'artisans qualifiés. J'y ai évidemment adhéré, étant donné que dans ces métiers, on a besoin de partager sur nos professions, on a besoin de conseils, on a besoin de pas mal de choses. C'est également parce que nous proposons de faire des formations sous forme de bons cadeaux, etc. Via Weekendoo ou d'autres applis, et ça permet de montrer le métier
et ce qu'il est réellement, et ne pas laisser trop de questions, surtout en ce moment, vous voyez, vous entendez parler du sel nitrité et d'autres choses sur d'autres aliments, et donc voilà, il faut débattre, il faut montrer aux gens réellement ce qu'est l'artisanat. Quelles sont un peu les spécialités de la maison Michaud ? Les spécialités, il y en a plein, étant donné qu'on les fait toutes. On produit à peu près plus de 90% de ce qu'il y a dans la boutique, le reste ce sont des appellations. Donc des spécialités, je ne saurais pas trop vous dire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on s'applique chaque jour à essayer de faire des produits maison, d'artisans, avec une qualité et un savoir et un service qui est proche des gens. Voilà. Super. Merci beaucoup, Xavier, pour cette petite interview. Je vous remercie. Merci d'être venu chez Maison Michaud et évidemment, on invite tous les Montrougiens à venir. Je suis donc avec Stéphanie Quatremar de la chocolaterie L'Éphémère Douceur, qui fait partie des labels du coup artisans du tourisme, comme la chocolaterie Mitsuha et les chocolatiers de l'Avenue de la République également. Bonjour Stéphanie, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens ? Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Quatremar, donc je suis la propriétaire de la chocolaterie L'Éphémère Douceur à Montrouge. On a fêté notre anniversaire le 8 avril, donc on a nos 5 ans. Donc tout est fabriqué sur place, à part les marrons glacés. Donc sinon, tout ce qui est vendu en boutique est uniquement produit dans nos laboratoires qui sont visibles depuis la rue. Oui, c'est ça, directement voilà. Depuis la rue, quand on a la boutique et juste derrière directement voilà. Les laboratoires. Donc après, on fait plein de types de produits différents, tous les bonbons de chocolat, les bouchées, beaucoup de sortes de tablettes, des confiseries, des pâtes de fruits, des confitures, des sucettes, on a une large gamme de produits, on a plein de spécialités aussi. Au cours de l'année, qui ponctue chaque saison. C'est d'ailleurs très gentil de nous avoir eu un petit moment avec la période de Pâques, là, j'imagine, voilà. C'était... Donc c'est la deuxième plus grosse période de l'année. On est ensemble pour parler donc de ce label du tourisme, artisan du tourisme. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce label, ce que vous en avez pensé ? Alors, ça fait 3 ans que je postule pour le label, et ça fait 3 ans qu'on a le label, donc on est content. Et puis ça aide à promouvoir les commerces montrougiens, des Hauts-de-Seine. et on est content d'être visible sur la région, et voilà, qu'il y ait des choses comme ça qui soient faites pour les commerçants. Ben oui, oui. Donc là, la grosse période de Pâques est passée, mais il va y avoir notamment la fête des mères, fête des pères, donc voilà, des idées, donc après, cadeaux, chocolat. Ça devient un petit peu plus calme, mais c'est toujours un petit peu ponctué. Après, on a aussi tous les petits cadeaux de fin d'année pour les départs en retraite, les cadeaux pour les maîtresses. Les parents sont très généreux avec les instituteurs montrougiens. Alors, en plus, on a plein d'écoles à côté, donc voilà. C'est... Merci beaucoup pour cette petite interview, Stéphanie. Ben, merci à vous. Donc je suis maintenant avec Catherine Levert et Jean-Louis Cerisier. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens ? Bonjour, Catherine Levert. Je vis à Montrouge depuis 1986. Bonjour, moi je partage la vie de Catherine Levert et donc je suis un Montrougien d'adoption. Depuis le milieu des années 2010. Quand même. Est-ce que vous pouvez me parler de vos œuvres ? Oui, donc moi je fais du collage depuis une quinzaine d'années. Avant je faisais surtout de l'aquarelle. Voilà, et mes œuvres naissent de la rencontre avec des bouts de papier dont la texture et la couleur m'attirent. Et je construis à partir de ces bouts de papier récupérés quelque chose qui naît au fur et à mesure que je le fais. En ce qui me concerne, je travaille depuis une cinquantaine d'années. En fait, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Je suis un créateur autodidacte. Et ce qui me relie à Catherine dans la démarche artistique, c'est que moi-même, j'aime bien récupérer des éléments de la réalité extérieure, des choses glanées lors de promenades,
pour ensuite les explorer et aller explorer les mondes de l'imaginaire tout en restant ancré dans une réalité figurative. Merci d'ailleurs de m'accueillir chez vous pour cette petite interview. On est ici pour parler de l'association Les Yeux Fertiles et des Portes Ouvertes. Est-ce que vous pouvez me parler tout d'abord de l'association Les Yeux Fertiles ? Je trouve que l'association fait un travail formidable, à la fois pour les artistes, mais aussi pour permettre aux Montrougiens d'avoir accès à des œuvres d'art. Aussi bien peinture que sculpture, donc c'est très dynamique et j'ai l'impression que là pour l'instant l'association peut se développer. Il y a eu malheureusement le Covid qui a empêché un certain nombre d'actions, mais donc l'idée à laquelle j'adhère complètement, c'est vraiment d'être présent dans la ville pour les portes ouvertes, mais aussi l'idéal serait à d'autres occasions d'avoir des lieux d'exposition pour que tout le monde puisse s'initier à l'art, profiter de l'art. Et oui, c'est ça, parce que vous deviez exposer pendant l'année où il y a eu le Covid, 2020, pour les portes ouvertes, oui, et finalement... C'est tous les deux ans, normalement, et ça a été repoussé. Je pense que tous les artistes concernés étaient très tristes, évidemment, que ça ne puisse pas avoir lieu. Mais là, j'espère que ça va donner un nouveau départ. Donc, vous participez aux portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Eh bien, c'est vrai que pour nous, c'est important de montrer notre travail d'abord et de le montrer dans un cadre peut-être original, dans le sens où pour les portes ouvertes on peut espérer que des personnes, des passants, des personnes qui d'habitude ne poussent pas les portes des musées puissent venir vers nous. Ces expositions auront lieu pendant deux week-ends, vous vous exposez le premier week-end, donc 14 et 15, est-ce que vous pouvez me parler un peu de comment ça se passe, où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors nous exposons dans la boutique qui s'appelle Paris-Jeanne, 3 rue Perrier, donc qui est une jolie petite boutique dont le propriétaire a envie d'exposer des artistes. D'ailleurs, en dehors des portes ouvertes, il expose aussi. De 14 à 21. Oui. C'est ça. Ben, en tout cas, on invite les Montrougiens à vous retrouver, à retrouver vos œuvres. Ne pas hésiter à pousser la porte des boutiques ou des ateliers où il y a des expositions. Et nous, on sera là pour leur montrer ce qu'on fait et parler avec eux, répondre aux questions. Ça marche. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie, merci à vous. Alors, je suis avec Aude Bernabé. Bonjour Aude, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens ? Oui, bonjour, je suis donc Aude Bernabé et je suis artiste plasticienne. Donc je fais sculpture, dessin, installation. C'est gentil de nous accueillir dans votre local. Est-ce que donc votre local qui sera ouvert pendant les portes ouvertes, donc c'est 8 avenue de la Marne, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce lieu ? Alors déjà un atelier d'artiste, c'est un lieu qui est normalement fermé puisque c'est un peu l'antre de création, donc c'est un endroit un peu intime. Mais bon, c'est aussi sympathique hein, de pouvoir l'ouvrir sur un petit temps pour partager avec les autres et puis montrer son travail. Hein. Voilà. C'est justement ce travail, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous parler un peu de votre travail ? Alors, je travaille depuis presque 30 ans maintenant. Mon travail tourne beaucoup autour de l'humain. Donc, l'humain à la fois dans ses interactions sociales, ça a été le cas notamment plutôt pour des installations, mais aussi l'humain dans son rapport avec la nature, hein. Voilà, et dans un rapport aussi parfois un peu mystique, c'est-à-dire que la nature peut être vue dans un sens plus large entre le visible et l'invisible. Voilà, mon travail tourne autour de tout ça. D'accord, et donc au niveau des matières, c'est vrai qu'on voit derrière nous... Alors, sculpture, je travaille la sculpture, essentiellement le métal, mais aussi le métal associé au bois, et puis depuis un petit peu de temps, la céramique aussi. Les dessins, je travaille beaucoup à l'encre, en fait. Voilà, mes dessins sont à l'encre. Et dans mon travail récent, c'est aussi avec pas mal d'empreintes végétales. D'accord. En l'occurrence, dans le cycle de tout ce travail que je fais sur le rapport entre l'homme et la nature. La nature. Mmh.
Ça marche. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, donc ces portes ouvertes sont organisées avec l'association Les Yeux Fertiles. Est-ce que oui. vous pouvez nous parler un peu de votre rapport avec cette association? On est artiste un peu chacun dans son atelier, donc on a des rapports amicaux, mais on ne se voit pas forcément tout le temps. Mais je trouve que c'est vraiment très, très chouette qu'il y ait une association qui ait des personnes qui aient le courage de lancer tous ces projets, parce que ça demande quand même du travail, hein, d'ouvrir les ateliers aux gens qui ont envie de passer voir pendant ces deux week-ends. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil, Aude Bernabé. Merci à vous d'être vous a déplacé. Alors, je suis en direct du Centre communal d'action sociale avec Céline Neveu. Bonjour Céline, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens ? Bonjour, donc Céline Neveu, je suis directrice du CCS de la ville de Montrouge depuis un an maintenant. Au sein du CCS, il y a plusieurs services. Il y a du coup le CCS en lui-même où on accompagne, on oriente tous les Montrougiens qui peuvent avoir des difficultés, notamment dans toute l'ouverture de leurs droits aux prestations sociales, familiales, etc. Et également les informer s'ils ont des petites difficultés passagères ou un peu plus importantes. Et puis également, depuis janvier 2022, un nouveau service au sein du CCS qui est le guichet logement. Justement, on est là pour parler de ce guichet logement, mais juste pour resituer par rapport aux gens. Donc c'est vrai qu'ils peuvent contacter le CCS, mais donc c'est aussi en physique le CCS, donc c'est à côté du centre municipal, enfin c'est dans le centre municipal de santé. Oui, tout à fait, on est intégré dans le centre municipal de santé avec qui on travaille vraiment en étroite collaboration, ainsi que les services de maintien à domicile pour les personnes âgées qui sont un peu en perte d'autonomie. Et l'idée effectivement, c'est vraiment de travailler en transversalité tous ensemble, répondre au mieux aux besoin des Montrougiens dans les différents domaines de leur vie quotidienne. Super, et donc ce nouveau guichet, donc, ça vient s'intégrer dans le centre d'action sociale par rapport au logement du coup sociaux. Oui, tout à fait. Monsieur le maire a une véritable volonté de répondre à cette attente des Montrougiens et de pouvoir proposer un service le plus efficient, le plus complet aux Montrougiens dans le domaine du logement. Et donc ce service a été créé depuis janvier 2022, avec à sa tête du coup une responsable, Madame Engue, qui assure des permanences à raison de 3 par semaine, dont une qui est sans rendez-vous le lundi après-midi et qui permet aux Montrougiens, une fois qu'ils ont fait leur demande de logement social en ligne de façon dématérialisée et qui rencontrent des difficultés ou qui souhaitent avoir des informations un peu complémentaires, de pouvoir venir sur place et être accompagnés si besoin par nos services. Et du coup, comment un peu ça fonctionne le logement social à Montrouge ? Alors le guichet logement, le logement social, vous déposez une demande de logement, donc c'est c'est une demande qui est régionale et qui concerne toute l'Île-de-France, avec la possibilité de faire un choix de la ville de Montrouge. Et de là ensuite, une fois qu'il y a de l'ancienneté qui s'accumule, parce que bien évidemment le logement en Île-de-France il est un peu contraint, de pouvoir avoir des propositions qui émanent notamment de la préfecture ou des employeurs ou de la ville. D'une proposition de logement qui soit adaptée à la composition familiale et aux besoins de la famille, aux conditions de ressources. Et donc voilà, maintenant il y a vraiment une personne dédiée uniquement à ce guichet. Exactement, et qui permet justement d'aiguiller au mieux les Montrougiens et qui permet éventuellement de prioriser les situations lorsqu'elles sont urgentes aux yeux de la loi type ce qu'on appelle le DALO, ce que tout le monde connaît et qui a des critères très spécifiques, mais également si elle repère qu'il y a des problématiques sociales ou autres, de travailler en lien avec l'équipe du CCAS et notamment les travailleurs sociaux. Super, merci beaucoup pour cette interview, Céline. De rien, et vraiment le CCAS et le service logement sont à disposition des Montrougiens pour répondre à toutes questions, que ce soit téléphonique ou physique, avec des mails également génériques qui permettent une réactivité dans la réponse. On va mettre toutes les adresses et les numéros pour que les gens puissent évidemment contacter le CCAS. Bonne journée.